le début. Dès le début, j'ai été exclu. Oui. Je souffre de flatulences incessantes. Depuis l'âge de 1 an, oui. Terrible, terrible. Les médecins disent que c'est dû aux produits laitiers. Je ne sais pas. Les autres voulaient jamais jouer avec moi. Il me fuyait même. Une saleté de mioche. J'avais un seul ami. Il s'appelait Isidore. Mais il est parti. Oui. Ah, je m'en souviendrai toujours. C'était un jeudi. Non, un lundi. Un lundi, oui. Non. Hey, salut, j'ai envie de faire pipi. Il faut que j'aille au WC. J'ai attendu pendant 6 ans. Tous les jours, je sortais devant la maison. Je pensais qu'il allait revenir. Si je te retrouve, Isidore, tu vas te faire piétiner par mes robots. Me calmer. Les robots, ça a commencé à m'intéresser à partir de l'âge de 10 ans. Mais ils ne me fuyaient pas, eux. Ils peuvent pas sentir. Si je trouve celui qui a cassé le commutateur... Ils sont programmés pour être mes amis. Ouais, ils ont pas le choix, oui. Ça veut dire quoi, ça? Le professeur Light? Oui, j'ai travaillé avec. Oui, gentil, oui. Pathétique. Oui, tout le monde l'aimait, lui. Moi, personne venait me voir. Non, personne. J'étais dans un laboratoire à l'écart. Confiné comme une bête. Il avait toutes les jolies filles. La seule qui voulait sortir avec moi, c'était Josiane. Mais vous plaisantez? Elle avait une tête de troll. Je préfère encore la compagnie des robots. Et puis j'ai décidé de détruire l'humanité. J'ai volé les robots du professeur Light. Je les ai reprogrammés avec des cerveaux de psychopathes. J'ai décidé ça un matin, oui. J'avais mal dormi. C'était un lundi. Non, c'était un mardi. Oui, un mardi, oui. Non, c'était un vendredi, oui. Megaman, je te détruirai! C'est un mercredi que tu n'oublieras jamais! Non, jeudi. Jeudi. On est quel jour? Quel jour on est aujourd'hui? Hein, tais-toi, toi! Je vais être payé pour cette interview. Bon, vous couperez au montage, hein, vous. Vous coupez, hein. Vous avez intérêt à faire ce que je dis. J'avais un robot pas très obéissant. Il s'appelait Popoman. Jamais entendu parler? Normal. Il a fini au fond d'un bain d'acide. Il a beaucoup souffert. Alors, faites attention. Il était doté d'un odorat, ce robot. Je ne pouvais pas le supporter. Toujours à me faire des remontrances, des critiques. Vous avez aimé l'interview? Vous êtes obligé d'aimer l'interview.